Bonjour! Attendez, j'arrive! Oh, je me suis raté de scène! Ah, en plus, on m'entend, super! Ça va faire un écho. Ah, c'est bon, coupez l'écho. Oh là, non, mais vraiment, en susu, hein. En fait, je suis en train d'écrire mon tweet, pardon, mon X en même temps, donc, qu'est-ce que je peux? Salut Tom Box, ça va ou quoi? Ça faisait un petit moment là qu'on n'avait pas streamé. Ça fait une semaine. Hein. Une semaine depuis le dernier stream. C'est un peu dramatique, moi je trouve. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ah, j'ai perdu l'écran. Ok, chelou. Mais ouais, écoutez, hein, j'espère que ça va bien. Bon, bon, ça marche ou ça marche plus ça? Ok, ça remarche. Voilà. Alors, je finis juste mon petit tweet là, vous avez capté, histoire de faire la présence sur les réseaux. La présence sur les réseaux, c'est important apparemment pour développer son stream et tout le tralala. Moi, toutes les personnes qui me suivent sur Twitch, non. Sur Twitter, c'est des gens qui font des chartes graphiques et tout et qui veulent de l'argent. Coucou, c'est les stories Twitch là. Et du coup, qui me suivent pas sur le stream, donc j'ai la présence sur les réseaux, mais ça sert un peu que chi. Il revient comme une fleur. Voilà. C'est bon, je suis entièrement à vous. Ça va, c'est la merde au taf, mais pas ma faute. Ah, bah comment ça se fait? Comment ça, c'est la merde au taf? Je vais juste brancher mon tel. Genre, c'est la merde en termes de personnel, en termes de. J'ai l'impression qu'en ce moment, c'est la merde en termes de sécurité un peu partout dans la France. J'ai cru comprendre. Raconte, raconte, on veut les détails croustillants. Pourquoi? Je ne peux pas couper mon son. Voilà. On veut les détails, les détails croustillants. Moi, il s'est passé trop de choses hein, depuis mercredi dernier. Oh, je vais essayer de vous faire un court résumé. Donc, jeudi dernier, j'ai préparé mon entretien de vendredi dernier. Vendredi dernier, j'ai passé un entretien pour un poste à la base d'ingénieur en procédé, puis qui a évolué là, depuis la semaine dernière, qui a évolué en responsable d'unité de production. Donc autant dire que je n'ai pas du tout le niveau requis pour ce genre de poste. Mais bon, ben l'entretien s'est bien passé, on a bien rigolé, j'ai bien rigolé avec les examinateurs, enfin je sais pas, avec les gens qui m'ont fait passer l'entretien, on a bien rigolé et tout, j'ai eu un bon feeling. Donc je me dis peut-être, voilà, au culot. Peut-être que ça le fera. J'ai une réponse d'ici la semaine prochaine, 2 semaines. Donc ça, c'était vendredi. Samedi, dimanche. Enfin, non, je suis parti vendredi soir d'ailleurs. J'étais à Chartres, chez Dizaft, si jamais c'est chez Léo. Donc, j'ai visité un peu Chartres. On a beaucoup joué à RoboQuest. Hein, vous savez, donc le dernier jeu qu'on a streamé hein, mercredi dernier. Un banger le jeu. Hein, je ne peux que le conseiller évidemment. Ce lundi-là, qu'est-ce que j'ai fait? Lundi, j'étais chez une collègue, chez une amie. On a joué à Mario justement. Ça m'a redonné envie d'y jouer parce que bon, elle avait avancé dans le jeu, sauf que moi, je n'ai pas avancé dans le jeu. Donc voilà. Hier, je me suis posé donc pour faire un peu de la paperasse, chercher un travail. Bon, spoiler alerte, le travail, c'est toujours pas ça, hein. Et voilà. Et aujourd'hui, je stream et ça fait plaisir de stream parce que une semaine, wow, c'est long en vrai. Ça me faisait bizarre, ça m'a fait bizarre. Revenons à nos moutons. Alors, en gros, on n'a pas ouvert aujourd'hui car la cuisine fait que de la merde. Mais comment ça, la cuisine fait que de la merde? Genre, c'est chaud quand même qu'un restaurant ferme parce que les gens ne savent pas cuisiner. C'est horrible. Alors que tu passes à Nice, un de ces quatre aussi. Ben ouais, hein. Après, je t'avoue, enfin.
Tu vois, je travaille, mais j'ai pas un salaire de dingo, dingo. Et ben en fait, la vie, ça coûte cher. là, je suis en mode, ah ouais, donc en fait, le truc après, c'est que je vis bien aussi. Enfin, je vis bien dans le sens où je fais plein de choses. Mais là, ma sœur, elle m'a appelé pour me dire, oui, bah tu viens avec nous au marché de Noël, donc à Mulhouse. Il faut attendre d'être parti de Mulhouse pour aller à Mulhouse. Faire les marchés de Noël là à la fin du mois là. Donc je dis, ben ouais, tranquille et tout. J'y vais en train. Donc l'aller-retour en train Paris-Mulhouse, hein, c'est 233 euros. Donc bon, sur une paye le mois dernier à 1100 euros, le loyer à 400 euros. Voilà, entre-temps, il faut aussi payer à manger. Voilà, je fais aussi des activités le week-end, des petites activités. Donc ouais, l'argent, là, j'arrive pas à mettre d'argent de côté. Donc aller à Nice, moi, il n'y a pas de problème, hein. Juste, l'argent, en ce moment. Tu vois, bah, d'aller à Chartres aussi, ça coûte 30 balles de train. Bon, après, j'avais de la chance sur place, j'étais hébergé. Logé, nourri, blanchi. Mais ouais. Vivement que j'ai un métier. Mais ouais, grave chaud pour débarquer à Nice, un de ces quatre. Hein. Après, c'est pas non plus aussi la meilleure période de l'année pour aller à Nice, quoi. En ce moment, je suis pas dispo. Oui, bah, j'imagine bien que si c'est le merdier au travail. Et pour la première pêche de notre. Depuis plus d'une semaine, la première pêche, une carpe de 3 kilos. Ça va, c'est un beau bébé. C'est un beau bébé pour la reprise. Je suis archi pâle. Je suis blanc comme un cul sur ce stream. C'est dramatique. Hein. Après, je suis effectivement aussi blanc dans la vraie vie. Mais bon. Là, ça me. De me voir comme ça. Oh, d'ailleurs, juste avant de lancer le stream, Samuel Etienne m'a envoyé le code du jeu Spider-Man que j'avais gagné sur PS5 et je l'ai revendu dans la foulée. L'ai vendu à un pote de l'école, Brice, Thomas, tu as les refs, donc je peux dire. Et je lui ai revendu et en fait archi drôle, il me dit oh bah s'il coûte pas trop, si tu me le vends pas trop cher, je peux le prendre et tout. Donc moi j'étais en mode ouais c'est vrai que bon c'est un peu un rat, donc je vais pas lui mettre trop pour pas le brusquer, voilà. Donc je lui dis bah 20 balles, genre j'étais en mode 20 balles ça va tu vois. Et puis il m'a renvoyé un message, il me dit quoi? Il me dit oh putain mais 20 balles mais c'est une aubaine, moi j'étais prêt à payer jusqu'à 40 euros. J'étais en mode quoi? Quoi? Si j'avais su, si j'avais su. Donc voilà, je serais très très mauvaise en affaires, mais bon, moi de toute façon, ça allait me servir à rien. J'avais personne, j'avais pas vraiment quelqu'un d'autre à qui le vendre en plus. Donc là, 20 euros vaut mieux zéro, tu auras quoi. Mais voilà, un petit peu pour. Très rapidement toutes les news quoi, parce qu'en fait j'ai très envie de jouer à Mario Bros Wonder. Effectivement, je vous le rappelle, ce soir nous jouons à Mario Bros, puisque ça fait très longtemps. Mais ça fait 2 semaines que j'ai pas touché au jeu quoi, donc autant dire que là j'ai très envie d'y jouer. Enfin non, c'est faux, du coup j'y ai joué lundi mais je l'ai pas fait en stream, j'ai pas avancé dans les niveaux, etc. Bref, donc ouais, très hâte. Juste rapidement, le programme de la semaine, puisque je ne l'ai pas mis sur Twitch. Donc aujourd'hui, Mario Bros. Samedi, 20h, Cyberpunk. Dimanche, à partir de 14h30, donc on joue à Mario Kart 8, donc le tournoi des fleurs. Puis ensuite, on fait les cartes du DLC. Et après, on joue tous ensemble. Voilà, pour cette semaine. Et la semaine prochaine, c'est pareil. Du coup, il n'y aura pas de stream le week-end. Il n'y aura pas. Deux streams dans la semaine. Ouais. En ce moment, le streaming, j'ai pas trop le temps. Mais en fait, en ce moment, je fais plein de choses. Donc, j'ai pas forcément le temps de streamer et tout. Voilà.
C'est la vie, c'est comme ça. Mais bon, quand je serai pas au chômage, parce que j'ai pas le droit, je peux pas toucher le chômage, quand je serai sans emploi, là, je pourrai streamer. Et Tomok qui nous remonte un très joli bon de fraude fiscale de notre ami Yoshi. C'est ce qui nous permet d'enclencher sur le jeu, bien sûr. C'est à nouveau ça. Ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment qu'il est sorti. Mais je pense que ouais, ça doit être la première fois que tu le pêches, celui-là. Bon, normalement, vous entendez le jeu. Normalement, vous me voyez. Normalement, vous m'entendez. C'est toujours galère à poser comme il faut. Donc, pour rappel, nous étions arrêtés à... Ah ouais, mais l'écran va encore planter tout. Oh, ça. Putain, le jeu m'a manqué. Ah mais oui, j'avais rejoué aussi le week-end dernier, c'est vrai. J'avais joué bah justement avec mon pote de Chartres avec qui on était allé à la Paris Games Week. Voilà, donc on va aux îles florales, puisqu'aujourd'hui l'objectif c'est de faire les mines fongiques. D'ailleurs, j'ai mis une petite grenouille dans le nom du stream parce que j'étais en mode ouais, le marais, c'est la grenouille et tout. Attendez, 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 parce que... Il fait partie des gens bizarres, là, qui savent pas courir et sauter avec les... Ah. Attends, ça a sauvegardé ou ça a pas sauvegardé? Il sauvegardait, quoi. Moi, je comprends pas. Genre, c'est tellement mieux de courir et sauter, enfin, BA, quoi. Alors, on peut pas mettre le jeu en ligne parce que j'ai pas remis l'internet sur la console? C'est ça, en fait, le gag. Oh, c'est dramatique. Je crois... On va voir. Mais je pense que c'est ça. J'ai vu tout à l'heure quand j'ai lancé la Switch que il n'y avait pas. Voilà. Bon, je mets internet et on joue. Hein. Don't worry, be happy. Ça est vraiment une préparation de stream, t'as peur. Hein. Déjà, ça arrive en retard. En plus, ça prépare pas comme il faut. Vraiment, ça laisse à désirer. Hein. Où est le arrobase? Hop. Connexion. Ça me fait peur. Si un jour j'ai un travail et que j'ai mon propre chez moi, ce qui me fait peur, c'est genre de plus avoir suffisamment enfin, genre de déménager à un endroit où il n'y a pas la fibre. Ou enfin, ou genre un endroit où je peux pas streamer. Oh, ça m'angoisse. Ah, connexion établie. Donc je le rappelle, si vous possédez le jeu, vous pouvez me rejoindre. Donc en fait, on peut jouer en multi au jeu, vous savez, genre en mode jeu entre amis. Et bah du coup, si vous avez le jeu, n'hésitez pas à me demander un ami. Mon code ami s'affiche dans le point d'exclamation code. Et ensuite, à tout simplement me rejoindre. Car plus on est de fous, plus on rit. Quelle toupie de débarquer comme ça! Souviens-toi que tu peux changer de badge en appuyant sur R. C'est grosso modo ce qu'il a dit, quoi. Pourquoi? Ah, je pensais que c'est moi qui avais grandi. J'étais là, j'étais en mode, waouh, déjà! Le jeu en multi qui carry, bien sûr. Qui carry Fischer! Lol. Est-ce qu'on peut descendre là-bas en bas? Ah, mais il y avait l'air d'avoir un truc. Enfin, on aurait presque pu, je sens. Les pièces, les pièces, les pièces, j'adore l'argent. Attends, on va changer de nuage parce que je sens que, voilà. Notre nuage, il allait décéder. Oh! C'est dramatique. Oh, une pièce.
Comment? Attendez, putain. Je me souviens plus des touches, hein, mais c'est dramatique. Hein. Yoshi, viens là! On a sauvé le Yoshi. Toujours changer de nuage. Ça pourrait être le nom d'une musique, ça, vous trouvez pas? Changer de nuage. Oh bah là... Ouais, je l'ai vu rentrer, mais bon, un tuyau vert parmi des tuyaux blancs... Bon, attends, par contre... Voilà, hein. Attends, c'est quoi mes touches, du coup? Ah oui, c'est B, courir, A, sauter. C'est logique, en fait. J'ai toujours joué comme ça. Mais là, à force de traîner avec des gens qui jouent bizarrement, je sais plus faire. Oh! Ah, j'aurais aimé garder un bloc pop, parce qu'à tous les coups, on va avoir besoin d'un bloc pour aller, je sais pas où, non ? Pour débloquer la pièce. Ah, voilà, c'est pas la pièce, c'est carrément... Bah non. Je vais la rater, je vais la rater ! En susu, hein. Bon, bah là, il faut qu'il pète les... Là, il y a un bloc. Il faudrait qu'il casse le bloc. Vite, vite, vite. Oh, j'ai perdu ma truc muche. Ah, tout ça pour des pièces, en plus. Je veux dire... C'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus, quoi, les pièces. Non, mais... Oh, putain. Oh, non, mais c'est dramatique d'être nulos pareil. Mais je pensais que ça... passait. C'est ce qu'elle a dit hier soir. Attendez, parce que là, l'heure est grave, en fait. Voilà, j'ai pas de... En vrai, il vaut mieux avoir la trompe, hein. Parce que là, je fais des bulles. Enfin, là, je fais plus de bulles. Donc, comme ça, voilà. Mais genre, pour casser les blocs, c'est mieux, hein. MMM. Bon bah c'est reparti mon kiki, hein, comme on dit par chez nous. Ah mais oui, du coup c'est vrai, quand on meurt ça récupère quand même les pièces. Trop facile ce jeu. J'avais oublié, hein. En même temps c'est tellement contre-intuitif, genre... Bah sur les anciens Mario, c'est bah tu meurs, tu dois retourner chercher l'étoile, quoi. J'aurais dû poser un panneau là. Ouh loulou. Oh quoi? Oh vraiment? Le niveau est catastrophique, hein. Le niveau est catastrophique. Ah, oh, puis alors là, ça a pas l'air bien mieux. Ok. Ah, il y a encore un drapeau. Il y a peut-être un bloc là, quelque part, non? C'est une tête de... C'est un... Ça continue de descendre ou... Ah non. J'ai eu peur. Hein. Je me suis dit, ça y est. On peut plus apprécier le niveau, tranquille. Ah! De toute façon, il suffit de descendre et puis... Et de pas faire comme ça. Ah bah, les vaisseaux, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Et on a eu toutes les pièces!
En tout cas, ouais, ça se sent qu'il faut reprendre en main le jeu, hein, parce que là. Pitoufi. J'ai perdu toute ma plasticité cérébrale de Mario. Aïe, aïe, aïe. En susu. On est à 17 graines. Là, on a un niveau ici, un niveau là-bas. On va tous les faire, bien sûr. Buffet salabafre. Ready! C'est une bulle de chaque côté en effectuant un saut tournoyant. Et merci. Il a gobé. Il a gobé. Punaise, à tous les coups, il va falloir monter sur... On peut arrêter de mourir comme ça, vraiment. En plus, il est super loin, le Mario. On va être obligé de refaire l'intégralité du niveau à l'envers. Oh. Ah, le... Ah, iconique. Attendez, par contre. Voilà, hein. Arrêtons tout de suite de tergiverser. J'aime trop, putain. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un bloc ici. Non, mais il y a un bloc, mais si j'arrive pas à le... Voilà. Pas pour ça. Pourquoi ? Ok. Bah, j'ai pas compris pourquoi il était... Est-ce qu'on a besoin de sa carapace à lui ? Ça n'a pas l'air. Hein. Ouf. Là, il y avait un bloc. Ah, peut-être pour aller tout là-haut. Ça n'a pas l'air non plus. Vous voyez, c'est ce que je disais. À tous les coups, il faut attendre qu'il y en ait un, là. Oh là là, punaise. Il gobe mes bulles. J'ai perdu mon machin. Ah, mais attends, mais si j'ai la truc mu, j'avais juste à faire comme ça, là. Oh, je suis merde. C'est rien, c'est la rue. Hein. Oui, j'ai compris, je vais continuer. C'est horrible, quand il mange, il fait... Il suffisait de faire comme ça. Là, j'étais en train d'essayer de chercher une méthode complexe. Là, je vois bien qu'ici, il y a un truc. Là, je viens chercher ça. Ah, c'est la fleur. La fleur wonder. Oh, tu es un Goomba. Tu peux marcher sur les pics. Ah, mes yeux, ils regardent là où mon... Ah, oh, on peut pas sauter. On peut se cacher. On se cache. C'est rigolo. Oh, c'est rigolo. Oh, il est en train de manger tout le monde. Vite, 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 vite. Je me cache. Ça fait secouer l'arbre. Wing, 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 wing. Oh, par contre... Ah ouais, là, si je me cache pas, il va me manger. Il faut rester caché, du coup. Mais après, il faut que celui de en bas, il soit tourné dans l'autre sens. Et si je lui tombe dessus? Ah. Bah non, moi, je suis un warrior. Ok. Il a vu l'arbre, il s'est dit je vais manger l'arbre, genre. Bizarre un peu. Oh, mais comment je l'atteins l'arrivée Ah si, oui, ok.
Ah ouais, mais là, ça va être... Ok. Il faut être stratégique. Ah bon? C'est nous la nouvelle espèce? Ça n'a rien à voir. Wow, yeah! Ouf. Il y a un truc là-bas. Là, ici, il y a un truc. Blung, blung, blung. Oh. Je savais pas que ça faisait ça, tu vois. Je pensais pas qu'il gobait et qu'ensuite il crachait comme ça. Oh putain. Oh cette phrase. Je pensais pas qu'elle gobrait et qu'elle cracherait. Bref. Allez. Ce Goomba de tout à l'heure, j'espère qu'il va bien. C'était moi. But it was me, Dio. Oulala, oulala, oulala. Oh, c'est un échec critique. Alors là, il va falloir refaire le niveau. Aïe, 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 aïe. Oh, refaire le niveau juste pour le chapeau. Le chapeau, n'importe quoi, pour le drapeau. Non, on va pas là-bas, on reste ici. Tu fais ça, la braf. Oh, il a gobé mon... Oh la pute! Bon bref, on n'est pas là pour... Oh oh oh. Ah ça l'étourdit ce bolos. J'aurais pas dit, tiens. Je pensais pas. C'est étonnant, c'est rigolo. Ah oui d'accord, c'était là qu'on était censé découvrir que ça fait ça. Ah mais j'essaie de rush en fait, je suis pas là pour jouer en fait, je suis là pour le drapeau. Et pas celui-là. Attends, je veux le tuer lui parce qu'il va me... Je le sentais pas. Blou, 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 blou. Ah oh là là. Ouah. Je voulais faire un saut girouette, mais j'ai pas réussi. Ah. Allez, allez, allez. J'ai eu peur, hein. À la fin, lâche ton mode. Un peu fébrile le type. Yaya. Vous savez que parfois je suis au travail et je suis là, je suis mode. La 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 lilou. ce jeu m'a un peu matrixé. Caverne croc croc. Là ça a l'air bizarre. Hein. Si vous perdez pendant le jeu en ligne, d'autres joueurs pourront vous aider. Ouais, heureusement qu'ils sont là. Ah mais d'accord, il mange les blocs. Oh les bâtards. Ah oui, il a mangé la... Oh bah heureusement que j'ai sauvé ce truc parce qu'il y avait une pièce. Et là il y a une... Donc t'as croqué. Ah!
Comment je le tue, l'autre, là-haut? Est-ce que si lui, il le mange, ça... Ok, ça marche. On sait pas. Ok. Il va gober la pièce. Ah, mais il mange tout! Quel gourmand! Par contre, ça fait deux pièces de 10 très rapprochées. Ah, on peut pas... On peut pas faire des bulles ici. Non, ta mère! Là, il y a un panneau. Ah bah oui, mais du coup j'ai dead ça. Je voulais mettre mon chapeau, j'ai raté. Oh là là, oh le jeu en ligne qui carry. Oh, on peut l'avoir celle-là, ouais. On a les 10 pièces en fait là par contre. Oh, trop facile ce jeu vraiment. Oh, oh bah elle est pas trop bien cachée. En même temps, on lui demande peut-être pas forcément d'être bien caché. Ah, il faut utiliser les blocs peau vraiment pour les ralentir. Ah, ça, on a utilisé deux d'un coup. Je peux pas y croire. Comment je suis censé utiliser ce bloc peau là? Je suis tombé. Il faut juste survivre en fait. Ouloulou. Oh, le coup de stress à la fin. Oh non, ils étaient en train de tous manger. En vrai, ce niveau, heureusement que c'était en ligne. Hein. Ah bah la pièce de 10 là, sinon dans le creux, on aurait pu faire une impasse dessus. Hein. Je sais pas comment, peut-être en soufflant une bulle et en sautant sur la bulle. Ça semble un peu complexe. La plante piranha, vraiment. C'est que j'achète l'amiibo MC4. J'ai déjà l'amiibo debout. J'aime trop. Oh, oh, c'est des petits poplins qui vont miner. C'est le mineur. Et là, ils sont pas au nord. Ce ne sont pas des corons. Nous voilà aux mines fongiques. Je sais qu'il y a une graine royale quelque part ici. Et je ne me souviens plus de son emplacement. Et la carte ne m'aide pas beaucoup. Tâchons de trouver un poplin qui puisse nous renseigner. À tous les coups, j'ai vu un endroit là, il fallait creuser, je sais pas quoi. Ah oui, c'est vrai, on peut laisser des objets aux gens. J'ai oublié. Les dragons oublient, finalement. Il n'y a personne. Ah, mais attends, il y a une note. Voyons ce qu'elle dit. Bienvenue aux mines fongiques. Ici. On fait la bringue en bossant comme des dingues. Oh, ils font la bringue. Enfin, c'est ce qu'on dit normalement aux visiteurs. Un grave incident est venu interrompre le chant des pioches. Oh, je suis sortie pour voir ce que je peux faire pour remédier à la situation. Toute aide sera la bienvenue. Si vous pensez pouvoir nous aider, prenez la graine prodige que j'ai laissée et rejoignez-moi au pont. Signé, un pot plinqué. Oh. Oh là là, il a l'air d'avoir de sérieux ennuis. Prenons la graine prodige et allons au pont. Je suis tout seul. Oh non, Bikouné. On devrait l'embarquer avec nous. Yahoo! Excusez-moi. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Oh, c'est ma graine prodige, je la reconnais. Vous avez lu ma note et êtes venu m'aider? Dites-moi que c'est ça. Et je vous explique. Mes amis sont partis dans les mines, mais ils ne sont pas revenus.
Il voulait creuser plus loin que d'habitude dans le but de trouver une graine royale pour vous, Eltes. Malheureusement, plus on s'enfonce et plus les mines sont dangereuses. Je me fais un sang d'encre pour eux. Mais ils risquent leur vie pour m'aider à sauver le royaume. S'il leur arrive quoi que ce soit, je ne me le pardonnerai pas. Allons à leur secours. Là, là, là. Putain, je les aime trop. Mais... Mais merci, Altesse. Et je dois d'abord réparer le plomb. Le pont. Auriez-vous quelques pièces fleurs dont vous pourriez vous séparer? 10. Oh bah ça va. Merci, c'est exactement ce dont j'avais besoin pour réparer le pont. Allez, c'est reparti. Oh, j'en peux plus, ça fait trop mal à la gorge. Il est chiotte de faire cette voix. Et voilà, c'est terminé. Ah, mais avant que j'oublie, j'ai quelque chose pour vous. Le badge détecteur. Tenez, c'est un badge très utile. Je suis sûre qu'il vous rendra de grands services. Détecteur. Le badge détecteur. Il sert à trouver certains objets, c'est ça? Il devrait nous aider à repérer les fleurs prodiges ou autre chose spéciale. On l'essaie tout de suite? Non. Vous êtes prêts? Alors allons secourir mes amis. Oh, le bruit qu'il fait quand il marche. Oh, je suis fan. Il n'y avait pas un truc secret ici? Ça n'a pas l'air. Oui. Oh. Oh, on est dans la brume. Ya! Ah, tu vois, il y avait un... Ah, ah. Manoir dans le noir. Ah, oh, c'est les boues. Marée au népandard. Étirement mycélien. Oui! Ah. Il y a peut-être un bazar! Comme je me plais à considérer. Quoi? Ah, comme je me. Je comprenais pas la phrase. Comme je me plais à considérer comme une mine d'articles indispensables! Une graine prodige, on achète. Et on peut rien acheter d'autre. On achète un panneau? Allez, ça faisait longtemps. Ah, oh, et ben un nouveau en plus pour la reprise, Todd John Foreuse, merci beaucoup. La la lou. Entité antithétique. Il y a des niveaux qui ont l'air stylés. Et là-bas en bas, c'est la suite, évidemment, c'est Graine Prodige. Regardez un peu ça. Mes amis sont descendus par là. Ils doivent être dans la zone la plus profonde, au-delà des trois ruines. Le chemin a l'air bloqué. Oh non. Ah, je vous préviens, il est très facile de se perdre dans ces souterrains. Je garderai donc un œil sur vous pour m'assurer que vous ne vous perdiez pas. Moi, je veux faire le manoir boue, bien sûr. J'aime trop les boues. Ah oui, c'était quoi son badge détecteur, machin, truc mûche, là? Pensez miser d'objets importants comme les fleurs prodiges ou les pièces 10 fleurs. Hein? Oh, ça sent les objets. Va l'attraper, ta mère. Hop, et voilà, la petite astuce. Ah, oh, ça les fait mourir. Oh, c'est dramatique. Ah oui, mais ça reste allumé, je pense. Est-ce que ça les fait mourir ou juste ça les fait disparaître? Non, je pense que ça les tue. Ouais, ça les tue. On peut rester... Enfin, les trucs existent en fait. Même sans la lumière. La lumière, ça les révèle juste. Et la pièce, elle est là-bas, là. Enfin, on voit bien qu'il y a un promontoire, si je puis dire. Par contre, ils sont débiles, j'aurais bien nous attaquer. Même quand il y a la lumière. Mais alors, les bolos. Oh là là! What the fuck? Ah, mais on peut même pas la tuer, la porte.
Donc ici, il y a trois portes. Il faut se souvenir de quelle porte on a pris. Comme ça, on fera... Voilà. Ah, c'est des bâtards. Genre, ils font exprès de mettre des portes en mode... Regardez, on peut les ouvrir. Et là, ensuite, c'est une fausse porte. Oh. En plus, elles sortent... Oh, la conne. Ah, mais on peut la prendre même quand elle... Ok, ok. Par contre, c'est incroyable le fait qu'on puisse prendre la porte même quand elle est truc muché, quoi, vous voyez. Ah bah du coup, je vais retourner là-bas et je vais essayer de la prendre, l'autre. Ah, et ça devient une gentille porte. Gentille, entre guillemets. Ah, et ça la tue. Stylé et... Ah bah oui, forcément, je suis en train de me dire, mais il vole ce panneau. Tue les boues, bien sûr. Oula. Est-ce que les boues, ils meurent avec le feu? Je crois pas, hein. Un de moins, deux de moins. Quoi? Eh, il est dans la lumière et il meurt pas? Oh! T'adores l'argent! Et oui! Ça fait tourner au bon moment, là je suis un peu bête. Hein. Je choisis! Ah ouais, il y a la lumière ici aussi. Viens Mario! Il y a la pièce là-haut là par contre. Ah, je suis une merde. Mérité. Ok, il y a une porte ici. Il y a une porte, mais on se doute bien qu'il y a un truc après. Hein. Ah, bah ici, il y a un mur. Ah non, c'est juste un... Donc, il y a un drapeau. Mais du coup, la fleur, elle doit être après. Évidemment. Dans cette espèce de labyrinthe. Ça n'a pas l'air d'être un labyrinthe. Hein. Ça a juste l'air d'être une plateforme, en fait. Très peu impressionnant. Ah oui, alors on peut tester, là. Non, ils s'en battent les couilles des boules de feu. Ce serait pas un peu bizarre ce lustre là qui a l'air de pouvoir tomber? Ah vraiment? Ah je pensais qu'on pourrait le faire tomber et tout. Je suis déçu. Là. Chelou la musique. Opéra debout. Oh, mais non. Ah, il chante que quand... Ah, j'adore. Ah, mais il chante que... Je voulais prendre les portes, j'ai pas réussi.
Attendez, je vais mourir en fait. J'aime trop. Ah, il me manque la pièce, non? J'ai toutes les pièces? Ah mais oui, j'ai toutes les pièces. Ah. Alors, t'as eu peur? Oh, l'opéra était iconique. Mais par contre, c'est chaud, genre, d'arriver à tout le temps les avoir en train de chanter. Vu que, bah, ils chantent que quand tu les regardes pas. Tu vas vite rater des bangers. Incroyable, vraiment. J'ai bien aimé. Ces petits niveaux musicaux, moi, ça me rend tout jouasse. Marée au népandard. Il y a un... Qu'est-ce qu'il me semblait? Ah! Ok. Peut-être un... Comment elle a fait, elle, pour... Ah, bah merci, je prends. Ok. Hop, voilà. Salut, toi. Ah, c'était pour ça, la toupie là-haut. Ah bah non. Ah mais oui, on peut pas faire la toupie sur le... On peut faire la toupie au plafond, mais pas sur le côté. Ouais, il faut tuer l'autre là-bas, mais... Je saute dessus, ça va plus vite, hein. Ouais, c'est du parkour. Ouais, bah tiens, il y a un truc. Ouais, en même temps, moi j'aurais pu rester au plafond avec la toupie. Genre faire comme ça. Oh, le challenge inexistant. Vas-y, j'ai envie d'essayer quand même. Je pense que ça se fait bien. J'ai rien dit, j'ai menti, je suis une merde. Oh putain, ça dex. Oh, vraiment, c'est dramatique ce qui vient de se passer. Ah, oh, et personne. Oh, il a eu un objet, l'autre. Non, il a juste eu un champion. Il m'attend, c'est rigolo. Ah, mais il a perdu sa toupie, au fait. Lui aussi, là, ce bolos. C'est possible d'arrêter d'être con ou... c'est un peu beaucoup demandé en vrai. Ah mais du coup il y a un truc. Ok, j'ai réussi. C'est bizarre qu'il y ait une carapace ici. Ici. Ah bah oui, mais c'était maintenant la carapace. Oh non. Oh punaise. Ah bah je suis tombé. Il est où le Mario là, The Bee? Oh ce bolos. Oh, il va falloir refaire le niveau juste pour aller dans le... Juste pour ça là-haut là. Il a la fleur Wonder, what the fuck. Ouais, j'ai un peu paniqué là. Ça va, après il me reste 63 vies, ça devrait aller. Mais je pense avec le... En fait, avec la toupie, tu manges le niveau. Hein. Genre... Pas juste comme ça, quoi. Tu vas me prendre...
peut même avoir le luxe de récupérer les pièces. Comment ça, encore un? Ah, mais il faut les tuer. Oh, mais comment t'es censé savoir ça? C'est l'heure du quiz. On voit même pas les réponses. Ben oui, arrosé. Qui avez-vous poursuivi dans l'épreuve intermédiaire des chutes dorées? Un grand nageur. Un expert du saut. Combien de Goombas avez-vous vaincu? Mais j'en sais quelque chose. 155. Combien compte un champignon, un up dans les bazars Poplin? 5. Ah, il faut avoir les 3 justes pour avoir la graine. Combien avez-vous ramassé de graines prodiges dans les mines fongiques? Bah, pour l'instant, pas beaucoup, hein. Ah, c'était 4. Oh là là! Combien de badges avez-vous? Non, mais. 8. Non. 16. Oh! Wouhou! C'était tendu, hein. Le bruit de clocher, là, il était stylax. Ah, c'est pour ça qu'il avait... C'est pour ça qu'il avait le truc, là. Ah, c'est même pas là, là. Ah, je voulais... J'arrive pas. Je vais de nouveau se remettre là. Oh là là, mais... Ah, je peux pas... Là, par contre, je peux. Ok. Il me manque toujours une pièce. Hein, qui est là-dedans. Ici. Très visible, on voit la sortie du tuyau. Oh! J'ai eu peur, hein. Je me suis dit, ça y est, ça va encore être ma fête. Ça va, en vrai, c'est un petit niveau, c'est un petit niveau. On voit qu'on peut monter là-haut, hein. Il y a peut-être moyen. Ah ben non, parce qu'après ça part tout droit. En fait, la toupie, il y a pas d'autre truc, quoi. La la. Là, le quiz, mon dieu, mais j'ai passé ma vie sur le quiz. Ah, nulos. Oh. Ah, on voit qu'il y a. J'ai vu, hein. Il y avait un truc là-bas. Attends, c'est où la carte? Ah, mais c'est peut-être le Captain Toad. Je me souviens plus. Oh, j'ai vu intermède musical. Récital végétal. Oh lolo, encore de la bonne musique en perspective. Oh. Il faut les tuer. Je sais plus comment j'ai fait la dernière fois, genre en sautant sur les blocs, j'ai gagné des pièces. Je ne sais pas comment cela s'est produit. Et c'est arrivé. Très sympathique. Oh oui, wow, yeah. Il m'intrigue trop ce niveau-là. Mais faisons étirement mycélien d'abord. Et mycèle.
Avec le bal champignon gratis, vous recevez un super champignon au début de chaque stage. Et la toupie qui est conseillée, bien sûr. Oh, j'ai raté. En plus, je perds un... Oh là 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 là. Ah, ils étaient vivants. Ils sont encore vivants. On fait du foot. Bon, mais par contre, je vais claquer. Hein. Je pense que j'ai besoin de la toupie. J'ai pas besoin de la toupie. T'as fait... Boing. Ah, c'est drôle en vrai. Genre de faire doum doum. Ah! Est-ce que je peux juste genre lui sauter dessus comme ça? Ouais! Moi aussi j'aimerais pousser comme un champignon. J'aimerais pousser comme un champignon. Bon, là on a bien compris que c'était... Ah, c'est pas tout à fait râpé. Je pensais, mais en fait non. Putain! Mais c'est dramatique de perdre son bonus de la sorte, là. Oh! Et il brillait, lui. Ah, mais si, voilà, on peut le porter. Je vais aller le porter pour aller tuer l'autre là. Oh, je l'ai pas fait. Ils se sont pactés. J'ai eu que fabuleux. Vas-y, descends la fleur. Et... Je l'ai tué, mais il y avait que Chi et ça dégage. Hop. Ling 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 ling. Ouah. Ah, peut-être que eux. Let's go, le petit prodigieux. Alors attends, il faut être stratégique en cassant cela parce qu'à tous les coups. Non. Ah ah, est-ce qu'il y a une pièce? C'est ça qu'on veut savoir. Moi, je suis là pour les pièces. Il n'y a pas de pièce, j'ai envie de canner. Demi-tour. C'est stylé ceci étant dit, le fait qu'il y ait un petit secret, une petite. Oh, c'est un ninja lui. Ah, et après il faut faire avec celle-là. Hein? Elle était cachée ici, la pièce. Trop smart! Oh là là! Vraiment, plus rien ne m'arrête. Hein. Hop, une petite toupie en réserve. C'est toujours... Ah, j'aurais pas dit que ça... dévoile la fleur tout de suite. Oh! Mais c'est encore une musique. Ah, on est servi aujourd'hui, ça fait plaise. Oh, putain, mais il est beau en plus le niveau, genre. Boing. Regarde, ça va faire bong et ils vont mourir. Ah non. Même pas. Pensez, en fait, non. Et si je fais...
Ah, c'est en rythme. Ah, ouais, moi, j'ai pas le rythme. Ah, j'ai réussi. Il y a un truc là-haut. Ah oui, c'est la suite du niveau. Tu l'entends la musique, elle est en train de... La fleur, elle est là en mode ya, ya, hey, ha. Ah, c'était pas la même en fait. T'arrives pas sur ton rythme. Wouh, wouh. Wouh! Wouh! Eh! Ah, il a pas fait wow encore, mon Todd! Oh punaise! Oh, perdre! Perdre ma toupie là-dessus, c'est scandaleux. Bang! Je me suis dit, il y a peut-être un secret en bas ou quoi. Il n'y avait pas. Ah, il faut faire attention de ne pas péter les courges. Hein. Ah oui, mais peut-être que... Non, il n'y a rien. Ok. Oula. On a dit ne pas péter les courges. Hein. Sinon... Ah bah sinon, on l'a dans le baba. Ouf. Oup. Encore un Mager, quoi. À difficulté, une étoile. Ah. Ah. Il nous reste entité pic à faire de ce côté-ci. Grâce à la transformation feu, tirer des boules de feu. Ouais, ça prend son sens. Oh. Quelle est cette chose? Je comprends que... Est-ce que si on passe dedans, on meurt ou est-ce que juste on disparaît? C'était donc ça. On décède. Mais j'imagine que si on pète le bloc... J'ai fait popper des trucs mais il n'y a rien. Ah. Ok. Oh, de la vie. J'adore la vie. Là, c'est pareil. Il doit falloir jeter la carapace au bon moment. Mais la carapace, elle a pas l'air d'être... Ouais, tu vois, elle est encore vivante, la carapace. Enfin, vivante. Elle disparaît pas, quoi. C'est un feu d'artifice. Pourquoi faire tout ça? Oh. Attends, il y a la pièce là-haut là. Ah, c'est les techniques de seigneur. Mais ça a fait popper un tuyau, mais on peut pas le. Okay. Ah. Je suis un peu de merde. Hein, Là, ça fait popper un Koopa, quoi. Mais et après, je peux toujours pas aller dans le truc. Oh, ta mère! Oh, non! Oh, punaise! Il me faut un... Oh.
Oh, le... Attendez, là, je vais récupérer ce Koopa. Voilà, comme ça. Si, si, je l'ai entendu. Ok, j'arrive, t'inquiète. Bonsoir. Petite fille. Oh, mais tu sors. Quel soulagement. J'ai peur quand je suis tout seul. Reste ici avec moi. Reste ici avec moi. Non. J'ai un niveau à faire. Ne me laisse pas planter là. J'aurais dû le déterrer. Ma gueule au réveil. Lol. Bon, oh ben voilà, on a toutes les pièces. Allez, hop. Ça fait ça au moins s'occuper. On peut quand même aller à la recherche des secrets, bien sûr. Je pense qu'on peut monter un moment, non? Avec beaucoup de patience, peut-être. Ça n'a pas l'air. Il y a un truc là-bas en dessous. Là-bas, après. Oh là là, il faut retrouver les jetons. Qu'est-ce que... Oh non. Et regardez, j'ai cassé l'arbre derrière. Je comprends pas ce qu'il faut faire, mais tranquille. Ah, archi drôle. On comprend aussi que lui, il est juste sensible au pot, quoi. On peut de nouveau péter les arbres. Est-ce que si je lui jette des boules... Non, il s'en bat les couilles, des boules de feu. Ah, mais non, mais c'est iconique. Le fait que les arbres se pètent à l'arrière, je trouve ça archi smart. Et du coup, il nous pourchasse ou... Je comprends pas. Il fait notre trajet, en fait. J'ai pas cassé l'arbre là-bas en dessous. Je peux aller le péter, moi. Je suis coincé. Donc peut-être qu'on peut pas. Ici, il n'y a pas un bloc. Il n'y a pas de bloc ici. C'est malheureux. Dommage. Bon. Après, de toute façon, on a tous les trucs, hein, on rappelle, donc on est trop fort, on rappelle, hein, donc... Oh. Moi, je récupère des pièces. Oh, il y a une fleur de feu. Regardez comme il court vite, Todd. Oh là là, quel boss. 68 vies, bien sûr. Je me disais aussi, ça, c'est bizarre. Hein. On me la fait pas, moi, je le sens, ce genre de choses. Le jeu est super bien, mais on sent qu'il y a quand même moins de trucs cachés, enfin, un petit pas. Ou alors c'est parce que quand j'étais plus jeune, je trouvais moins facilement, je m'y intéressais moins, pas trop. Mais j'ai l'impression que les secrets sont plus faciles à trouver. Enfin, les pièces 10, genre là, on a trouvé plutôt rapidement, quoi. Rotation perpétuelle. Ouloulou. Mario travaille en tant que plombier avec son petit frère Luigi. Merci, j'ai vu le film en fait. Alors il y a un bouton là-bas, mais j'imagine que si on appuie sur le bouton,
Ça doit commencer un truc. Pourquoi il s'est mis en fantôme, lui? Bon, allez, on le fait. Ah oui, il fallait. Fallait appuyer pour que ça démarre. Waouh, elle est ici. C'est quand même bien pensé, hein. C'est quand même bien fait, ce jeu, hein. Ah, c'est la dernière. C'est rigolo, c'est une fleur qui vole avec ses pétales, quand on y pense. C'est quand même étonnant, non? Enfin, je veux dire... Et voilà, 12, y'a quoi? Exploration 1. Waouh, ruine gélatine. Ouh. 1. Trucmuche marque les stages dont vous avez atteint le sommet du drapeau. Oh là là, quelle est cette chose? Oh, c'est de la gelée. On peut passer à travers la gelée. Waouh. Donc. Moi j'ai une question d'ordre physique. Comment on respire là-dedans? Comment respire le Toad en fait? Ça me viendrait pas à l'esprit, genre dans les trucs comme ça, de me dire tiens je vais goûter, genre on dirait du mucus. On dirait, ouais, genre de la morve. Ou... Oh putain, je suis tombé, j'ai pas nagé assez vite, il est trop loin. J'abandonne, il est trop loin. Est-ce qu'on peut utiliser le coup du dauphin dans la gelée? Ça, c'est une vraie question. Oh, il a un effet mouillé sur lui, le Toad. Oh, vous avez pas vu, il était luisant. Là, on a vu toute la RTX du Toad. Oh là 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 là, quel beau jeu. Hein. J'ai pas goûté la gelée, je ne vais pas goûter la gelée. J'ai bien compris qu'il fallait nager très vite aussi parce qu'on tombe. Il dit quoi lui là? Un goût addictif. Mais il faut arrêter, il faut pas manger les choses qu'on trouve comme ça. Dans... Ah lui, pète la gelée. D'accord. Super cool. Voilà, c'est ici qu'il faut venir casser, monsieur SVP. Vite! Ça a poussé la gelée? Ah non, elle se reforme. Je comprends pas trop. C'est plus un système de déplacement de gelée, je pense. Hein. Oh bah oui, non, mais ça, c'est pas possible, en fait. C'est pas possible de travailler dans des conditions pareilles. Non, mais là, ça avait l'air d'avoir repoussé. Hein. Je sais pas comment on dit. Reformer. Si, elle se reforme. C'est pas du tout un système... friction, friction, défriction, quoi. Y'a personne. Oh putain! Vous voulez claquer ma fleur de feu, là? Et vraiment, on en est là, donc. Je m'abaisse à mourir à cause de petôles de nez, là. Tadex. Après, non, je suis pas mort. J'ai perdu mon power-up. Pas forcément mieux, hein. Et chelou, la salle.
comprends qu'il faut aller... Quelqu'un frappe là-bas dedans, quoi. Ah. Voilà. Ah, ça, on aurait pu comprendre. Hop. Je suis une boule. Ah non. Il est trop mignon. Ah, c'est le gling-gling des pièces qui fait ce bruit. Ah merde. Non, je suis tombé. On peut même courir. Regardez, je dash. Une boule qui dash. Putain, j'arrive pas à aller sur ce bloc du milieu. C'est une dingue. Alors qu'en fait, il faut faire comme ça et comme ça. Alors, j'ai mon petit chapeau de Toad, là. Là, je l'ai qui bouge. Non. Ah, on peut quand même se faire agresser. Ah bah, super. Never ending aggression. Hop. Goobit. Pardon. Vieux réflexe. Bon, où est la pièce de 10? Elle est là-haut. Hop. Bah, mets-toi ailleurs, mon ref. Il est bête. Bling. Oh, toutes les pièces. Waouh, j'adore l'argent. Tu vois, les pièces, c'est bien pour avoir des vies, mais bon, quand t'es déjà... Quand t'as déjà 68 vies... voilà, quoi. Est-ce vraiment une nécessité à l'heure actuelle? Et y a pas un passage là-bas dessous? On dirait, non. Oh! Je le savais! Mais... Enfin, je... Non, je... pas je le savais, c'est je l'ai senti. Mais en vrai, tu vois... Voilà, juste mettre des pièces. Oh. Ah, il nous a léché en fait, genre il nous a goûté. Je crois qu'il dit un truc si on repasse dessus. Merci pour le casse-croûte. Merci pour le casse-croûte. Mais on me prend pour qui en fait? J'ai l'air d'être mangeable. Oh bah là. Oh, ce prodigieux. Un prodigieux tapeur. Tellement c'est facile. Le Toad Blob iconique, j'ai adoré. Regarde-le là. Ah tiens, notre pote, il a un truc à nous dire. Ah, vous voilà! C'est incroyable, vous avez trouvé la sortie alors que vous n'aviez encore jamais mis les pieds dans ces ruines. Personnellement, j'ai encore bien du mal à ne pas me perdre. Bon, vous savez par où descendre. On se voit aux prochaines ruines. Mais quelle tête de lénard je fais, moi! J'ai trouvé ce champignon à herbe en creusant un peu plus tôt. Prenez-le, il vous sera sûrement utile. C'est vrai que j'en ai pas... Oh, on en a 69 grâce à lui. Quel boss. J'aime trop leur petit bruit. Lalo! Lalo! Oh, la liane grappin! J'ai vu un monsieur l'utiliser, mais la dernière fois c'était Nexo qui l'avait utilisé. Maîtriser le badge! Dans les airs, appuyez sur R ou secouez la manette pour lancer une liane qui s'accroche aux parois. Oh! Oh elle est... Ah ouais, c'est une portée de malade mental! Mais c'est cheaté. Ah, en plus, on reste accroché au mur, genre. J'ai un peu du mal, le fait que ce soit avec le bouton R. Ah, ça marche aussi avec la gâchette. Ah,
Regardez, la pièce, elle est là-bas. On va faire comme ça. Vous avez vu ça un peu, ce pro move? Oh, ça marche dans la gelée. Oh là là. Oh, c'est si puissant, cette liane. Un peu comme mon chien. What? Hein? Allô? Mon chien, bien sûr. Oh, les possibilités de gameplay sont folles. Oh là là, et c'est un sans faute en plus. J'ai oublié les... J'ai pas pris les... Oh, non mais vraiment la portée, mais... Ça fait peur. Ça marche même sur le drapeau. Oh là 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 là. Vraiment en speedrun ce niveau. Eh ben, la liane grappin, c'est fort. Après, moi, je suis trop habitué maintenant au chapeau. Donc, je pense que je vais garder le chapeau, mais... Enfin, je sais pas, en vrai. J'avais mis non, et puis c'est remonté. Bon, ben oui, alors... Yahoo! Ok, Luigi. Exploration de ruines d'Odeline. Oh, d'Odeline. D'Odeline. Du coup, on a les floups, hein. Attention, hein. On nous recommande la bulle. Voilà, si ça peut descendre. Oh, c'est des bébés! Il a une petite tétine. Attendez, mais en fait, je suis sombre un peu. Eh oui, mais comme j'ai changé de côté. Ah, c'est un tout petit peu mieux. Ouf. Ça sent encore le niveau un peu... Je vais tomber. C'est bon. Encore un niveau tapeur. Hein. Oh, ma bulle. Ah oui, bah ça c'est cheaté ça. Viens là, Toadette. Ah, c'est vrai que bon, la liane grappin, c'est... Effectivement, c'est très fort. Vous avez vu, j'ai trouvé tout seul ce truc aussi. Une petite vie. Après, la vie, bon, c'est du bonus, c'est du bonus. On voit là-haut hein, qu'il y a un... Voilà, un ceci. On l'appelle plus communément un bloc. Sans utiliser la liane rapin. Hein. Mon téléphone qui vibre. Bon, il y a un peu de challenge, mais pas trop de challenge non plus pour l'instant. Ah oui, la bulle. J'avais presque oublié que j'étais plus en bulle, quoi. Vous voyez. C'est pour dire. Je pense qu'il y a un passage de l'autre côté là-bas. Ouais, ça a l'air. Oh, attends, déjà on va tuer lui. Et après je veux aller. Voilà, mais c'était sûr. Au moins là on a toutes les pièces, on peut se focaliser sur le niveau. Pour aussi OP le fait que les bulles passent à travers les murs. Ouais. Ah, c'est vrai que c'est un peu déstabilisant. Ouais. Non, on peut pas glisser. Je pensais qu'on pouvait, genre, comme on est penché un peu, tu vois, glisser. Le fait que ce soit des bébés, trucs, par contre, c'est archi drôle, je trouve. Non, j'ai raté. Nul. Là. Ah, et là en fait le truc c'est comme ça chavire pas, il faut activer, c'est ça?
Après, il n'y a rien là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'on gagne à activer le truc? Ah. Mais non, mais ils sont tombés dans le vide. C'est dramatique. Et ces pauvres bébés, on vient de commettre un bébécide. Un infanticide. C'est comme ça qu'on dit, non? Bon, là, il faut le mettre en route pour prendre la porte. Il y a quelqu'un qui vient de tomber, là. Ben. Ah, j'ai pas réussi, donc j'ai raté la graine prodige, donc je vais aller me faire Oh, c'est malheureux. Ah bah ouais. Oh, nulos. J'ai raté. Non, putain, je suis obligé de refaire. Ah ouais, vraiment rien du tout, même pas une graine quoi. Oh, oh là 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 là. Ah, et l'autre il va nous dire, ah oui, si vous avez pas réussi, nanani nanana. Bon bah allez, hein, maintenant qu'on a saisi les tenants et les aboutissants. On n'attrape pas le monsieur, donc. Ah, ça va. L'œil qui me gratte. J'ai l'œil extrêmement rouge. En ce moment, je ne sais pas pourquoi, parfois, ça me le fait. J'arrive pas à monter, je suis une merde. C'est vrai que ça va vite cette liane, oh là là. Ah si, faut le récupérer, ça fait des pièces ça aussi. Ça fait une pièce. C'est pas forcément nécessaire du coup.